Ce garage, situé dans le 4e arrondissement de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, ne désemplit pas. Il a la particularité de recevoir des véhicules électriques et semi-hybrides, des voitures propres qui roulent à l'électricité au lieu du carburant. Des véhicules qui commencent à arriver sur le marché africain. Conscient des enjeux, Youssouf, cet électricien en automobile, a décidé de suivre le virage de la transition en se spécialisant dans la réparation de ses autos. Tout ce qui est lié à l'électronique, on en fait notre affaire. Parce que nous avons suivi des formations typiquement pour l'électronique. Tous les jours, nous faisons des recherches et nous avons aussi des partenaires européens comme américains. Et d'ailleurs, nous avons été récemment chez Tesla, histoire de comprendre la nouvelle technologie qui va arriver ici en Afrique. Les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus de composants électroniques dans les modèles de voitures qu'ils proposent. Ainsi, il devient difficile de pouvoir diagnostiquer une anomalie sur son véhicule sans avoir recours à la fameuse valise diagnostique des mécaniciens. Peu de garagistes au Congo sont formés à la réparation de ces nouveaux types de véhicules. Les propriétaires qui importent des véhicules électroniques comme Ekamba et Lombé ont connu l'errance diagnostique pour leurs véhicules en panne. Avant de connaître cet atelier, ils ont parfois dû errer d'un atelier à un autre avant de trouver une solution. J'avais un problème. Je suis passé de garage en garage. Je disais, oh, mais le garage comme ça, quand il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de clés, il n'y a pas de trucs mécaniques qu'on voit dans les garages traditionnels. Hein. Comment il va arranger alors que les garages qui ont tout ça ont échoué? Alors le monsieur sort avec juste une machine, il me dit non, c'était une panne et tout. Et donc finalement, une panne qui avait en long, dans l'espace et dans le temps, duré 2 semaines, en 25 minutes, il a mis la machine, il m'a dit c'est ça. L'attirance vers le véhicule électrique n'est pas spontanée en Afrique. Youssouf Mondassir